suis un carton qui parle, je bavarde, je discute, j'aime faire la conversation, et parfois je chante aussi. C'est mieux pour vous, croyez-moi, de ne pas nous forcer à vous faire dire ficelle. Un cafard. Bien, répétez après moi. Ficelle. Percé, tu m'épuises, se débarrasse d'un fléau, et le petit devient un héros. Une pierre, deux coups. Mais sur les seuls pieds d'Olympe que je te ramène la tête d'une gorgone. C'est vendu. Ah ouais, donc du coup, on se tutoie. Toi, tu, te, t'es tout tombé. Toi, tu, te, t'es, ils nous disent. Toi, tu crois que tu tutoies le succès, tu te prends pour le roi, mais t'es qu'un maladroit. Toi, tu veux faire des thunes avec tes mots, tu te crois le plus beau, mais t'es qu'un rigolo. Toi, tu veux faire des tubes, mais t'es distinctement hors contexte. Nettoie tes sales habitudes. T'es pas honteux de croire en tes textes? Qui êtes-vous? Je vais pas vous faire de mal. Léa pose ce téléphone. Comment tu connais mon prénom? Je te connais par Lionel. Lionel? Il est vraiment sympa ce Cédric. Et il est trop beau. Tu trouves pas? J'en sais rien, moi. Depuis un moment, t'es plus comme avant, j'ai l'impression que tu t'éloignes. Ok, je crois que j'ai compris. 22 juillet, chère Florence, permettez-moi de vous remercier encore une fois pour votre aimable invitation. J'irai avec plaisir dîner chez vous dimanche 22 juillet pour avoir le plaisir de me régaler de risotto, mais encore pour avoir celui de m'entretenir avec vous au sujet de mes affaires. Maître. Le maître t'a déjà dit de mettre sur l'île accent circonflexe. Il est le maître. Le M est cette voix majuscule importante, souviens-t'en, virgule. Tu es sur terre. De E et de R. De son maître. À qui? Au maître, pardi. Pour te taire. Tais-toi. Fais gaffe à tes doigts. Et point final. Vous êtes gentil. Vous m'écoutez, vous avez de la patience. Et vous avez sûrement bien d'autres choses à faire maintenant. Une chose plus importante qu'à écouter une vieille râleuse comme moi. Tu vas pas me faire un adagio, ça aussi je connais par cœur. Demain je me mets au banjo et tu pleurniches chercher ta sœur. Comment ne pas passer pour fou quand on noue des relations avec son instrument? Des fois elle me gave, ma grande adolescente, mais elle m'emmerde. Adolescente, elle me fait chier, ça. Des fois j'ai envie d'appeler Emile Louis. Ah non, des fois. Ah non. Des fois j'ai envie de l'attacher sur un rail de train et de marquer avec le TGV, hein, elle aurait moins mal. C'est bien ça, c'est bien! Tu ne peux pas mourir, Sylvia. Sylvia, je t'aime. Ah! Oh non, merde! Merde!